Ada? Bonjour, je suis Léon. Ah, ce plan était trop beau. Non, je veux ce plan. Voilà. Voilà. Je garde ce plan en souvenir. On a combien de temps de vidéo? Je suis à 45 minutes. On peut continuer. Alors, donc, apparemment, Ada s'est fait attaquer par un... Alors, vu la taille des bulles et vu qu'on vient à peine de parler d'un monstre, je dirais que ce monstre, ouais, donc ça devait être des araignées. On va passer par là. Oh non, c'est activé. Il nous faut le pompe alors. On va éviter de chercher les complications. Le pompe. Point. C'est tout ce que je vais vous dire, c'est plus à point. Ah bah, il y a un ascenseur aussi. C'est peut-être l'ascenseur par lequel Anut est venu. Il ne marche pas très bien. Bon bah, je retiens. Voilà. Celui-là, il marche déjà beaucoup mieux. Donc nous avons pu voir que les soldats d'Umbrella ressemblant au Helga's Killzone sont littéralement ont volé littéralement le virus. Enfin, ils ont essayé du moins, ils ont essayé. Ils l'ont volé, puis après ils se sont fait retrouver, ils sont fait tuer par William en tant que zombie. Cependant, après les avoir tués, rien ne dit que William est mort. D'ailleurs, ça c'est le plan. J'ai vu ça, ce qu'on voit à l'image. Ouais, c'est le plan des égouts, c'est entièrement ça. Donc en fait, le plan, au lieu de nous le mettre en bas, ils auraient pu nous le mettre là. Voilà. C'est le plan. Ça aurait été plus logique qu'on le gagne. Voilà. On est du coup obligé de passer par là vu que Annette a activé la ventilation. J'ai vu la tête de l'araignée, j'ai l'impression qu'elle est plus grande que celle qu'on a affrontée précédemment. Ou à moins que c'est parce qu'elle est proche de l'image, ça doit être ça, je pense. Oh, la bestiole. Je l'attends. Bam, esquive. J'ai réussi à faire un truc intelligent. Le seul endroit par lequel l'araignée peut venir, c'est en haut. Ah, c'était un complot, ils sont à deux en fait. D'accord. Ah, là, il y a un truc. Elle est morte. Oh mais là par terre on est d'accord, c'est un cadavre, ça serait peut-être un des soldats. Waouh, parfait. Vous trouverez pas des balles par hasard? Médaillon du lieu, d'accord. Vous trouverez pas des balles? Non, ce sont des militaires.
Merci. Il n'y en aurait pas d'autres sur des militaires. Bon, c'est-à-dire, on a quelques-unes, mais c'est quand même. On peut en avoir plus. Allez. S'il te plaît. J'étais gentil. J'ai bien avancé, j'étais gentil. Là, peut-être. Allez, encore. Encore des balles. Il y a quoi? Non mais le gars, il y a des impacts de balles ici. Ah oui, parce qu'ils ont tiré, oui. Ouais, bon, quand tu te retrouves seul face à un ennemi comme ça, t'es pas en mode « Ah, je vais t'éclater, c'est le truc. » Non, t'es plutôt en mode « Maman. » J'ai pas prévu ça. Je retourne en arrière, je reviens dans la pièce, et là, j'éclate à rien. Ou alors, je vais suivre. Est-ce que on tenterait pas de les suivre? J'ai vu la vitesse qu'elles ont. En tout cas sur les murs. Non, les a bien géré les araignées, franchement. Des herbes bleues poussent ici, on peut pas récolter, mais par contre on en a l'infini. C'est un point ça. Le volant, est-ce que ça serait pas ça? Alors si c'est pas ça, j'ai aucune idée de ce que c'est, franchement. Faut faire quoi? Insérer le volant et tourner. Ah, le volant. Ouais, j'ai compris. Ah, comme par hasard, faut l'utiliser maintenant, quoi. Bon, allez, on va retourner en arrière, du coup. Voilà. On est dans la salle tranquille là. C'est pratique, c'est pour ça. Ah, mais il y a un truc lumineux, vous êtes sûr qu'il y a une arme? Enfin, une arme, une munition. On entend le ventilateur de là. Et on est. Alors, d'après là où on. Mais on n'est pas loin de la fin du jeu, je pense. On a plein de révélations là, donc voilà, ça sent la fin du jeu. Je pense. Comme je vous l'ai dit, je connais que la fin du jeu et le début du jeu. Parce que j'ai que les petites références de Resident Evil. Est-ce que ça serait pas du. Enfin, du ruban, des rubans plutôt. Ouais, ça c'est bien. Et ben vu qu'on est bien, vraiment pour vous dire, j'ai pas envie de sauvegarder. Là maintenant, j'ai pas envie. J'ai envie de vous dire juste que je suis bien. Et qu'avec ce que j'ai en ce moment même dans l'inventaire, je suis franchement plus bien que d'habitude. Et aussi que le pistolet, on va peut-être petit à petit l'oublier. Vu vers la fin du jeu pour les petits. Pour avoir des petits souvenirs, la plupart du temps, le pistolet face aux zombies qu'on affronte à la fin du jeu, il est plus très utile. Hein. Je veux dire, les trois quarts du temps, on va affronter des zombies
qui ne nécessiteront pas de pistolet. Le pistolet va vraiment devenir peu utile. Alors, une fois que j'aurai terminé tous mes let's play, bien sûr, il y aura peut-être une semaine de décalage, hein, quand les vidéos sortiront. Il y aura une semaine de décalage, je pense. Mais une fois que tous mes let's play seront terminés, je ferai une vidéo. Donc, une vidéo qui montrera les potentiels jeux que je ferai en futur let's play. Les potentiels futurs let's play. Donc voilà. J'imagine qu'il va falloir le réutiliser. Donc, je ferai une vidéo pour les potentiels futurs let's play. Donc, ça veut dire que ça sera peut-être pas eux, mais peut-être que ça sera ceux-là, en fait. Donc, les jeux qui auront le plus de chances d'apparaître comme futurs let's play. Alors, vous devinez sûrement qu'il y aura Resident Evil 3 dedans. Voilà. Après, il y aura peut-être Heart of the Swarm. Et il y aura peut-être, donc Heart of the Swarm, c'est la suite de Wings of Liberty. Il y aura peut-être Resident Evil 2 sur Left 4 Dead. Il y aura peut-être également attendez, Senseiya Hades, donc la suite de Senseiya du Sanctuaire. Alors je vais changer ça. Et la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on peut... Pourquoi est-ce qu'on peut passer par là? Neon One! J'ai en tête ce... Dans quelques secondes, ça va nous faire ça, vous allez voir, on va courir. Moi, j'en ai aucune idée, mais ça sent le boss en fait. Regardez, vous avez vu, il y avait un point de sauvegarde au milieu, nulle part, mais vraiment nulle part, il n'y avait même pas de coffre, je crois. C'est quoi ça? Quel dur. Oh, c'est pas bon. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Bon, je sais pas, mais de toute façon, le jeu, ils adorent nous mettre des trucs. Un peu partout pour améliorer le réalisme. C'est d'ailleurs le point fort de Resident Evil. C'est que des fois, on croit qu'il peut y avoir un truc alors qu'en fait. Leon. Léon. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Doudou le croco. Ok, cours. Sans façon, je vais te dire cours. Ok, bah sans façon, je me casse. Non. Ah ben c'est bon. On est bien, Ada. Ada. Toc toc. On l'a défoncé. C'est bon, Ada. La voie libre. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Je pensais qu'il fallait appuyer sur un bouton, mais non, c'était pas un bouton. Ada. T'inquiète pas, je gère.
Et pourquoi est-ce que je vais dans ce tas de d'ordures dégueulasses? Je ne sais Leon. Pas. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. That's two I owe you. Don't mention it. I just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Allez, faut s'enfuir d'ici, les gars. C'est la fin, on rejoue à Final Fantasy. On est bon. Tac, tac, tac. Et là, je sais pas ce qu'il allait falloir. Allez, on a bien fait d'ailleurs de mettre. Vous avez vu ce qu'on a fait là. Alors, journal du responsable des égouts. J'ai vu un don. J'ai vu don. Don. Aujourd'hui, on a parlé après le vidéo. Ça faisait un bail que l'on ne s'était jamais... l'on ne s'était pas vu. Ah, j'arrive pas à parler. Je vais arrêter de parler, vous savez quoi. Donc Iron, bon, ça parle encore du capitaine. D'accord, donc on a un truc. Donc il parle d'un médaillon pour aller dans le labo d'Umbrella. Bien sûr. Non, qu'est-ce que je fais ça? Voilà. Donc on a deux médaillons. Donc ça marche à peu près pareil que dans le manoir. C'est-à-dire, faut dans le manoir, il en fallait 4. Mais là, il en faut 2. Il n'y a pas moyen de... de l'éclater, ce truc. Ah bah non, le médaillon. Je sais pas. Ah bah non. Thank you.
Donc là, je ne parle plus, je ne sais pas pourquoi. Mais donc voilà, j'espère que ce let's play vous plaira. Personnellement, je suis plutôt content d'y jouer. Et j'aime bien, quoi, ça change des jeux habituels. Ce jeu est très spécial. Et j'aime bien sa façon de faire. Donc. Ok, je sais ce qu'on va faire. Faut aller. D'accord, là-bas. Alors, on va juste regarder l'heure et sauvegarder. Mais je crois que je vais devoir quitter maintenant. Attendez, vérification. Ouais. Je crois que j'ai pas trop le temps de m'engager dans la suite du jeu, là. Donc, je vais vous dire que sur ce, je vais vous laisser. Et on se retrouvera donc pour la suite de ce let's play. D'ici là, j'espère que vous irez bien pour suivre la suite du let's play. N'hésitez pas à me retrouver sur d'autres let's play tels que Alien ou encore Wings of Liberty. Voilà. Sinon, bon bah, on s'approche bientôt de la fin de Resident Evil 2. Alors je pense, hein, parce que à chaque fois il y a le pressentiment de fin de Let's Play sur un Resident Evil. Enfin, je l'ai à chaque fois. Ça me l'avait fait aussi pour Resident Evil 3. Bon, Resident Evil 1 c'est différent, je le connais. J'ai déjà fait avec Jill, et c'était là pour Léon, c'est vraiment une découverte. Et je suis plutôt content. Je n'ai jamais joué à Resident Evil 2 avant d'y jouer aujourd'hui. Enfin, avant d'y jouer en Let's Play. Ada, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi en paix. Donc, sur ce, Ada et Léon vous souhaitent une bonne après-midi, vu que c'est, mes vidéos sont toujours publiées à 14h, à l'exception des fins de Let's Play qui sont publiées à 21h. Allez! Au revoir tout le monde. C'est une très belle capture d'écran ce qu'on a là. Ada et Léon en coop. Non mais franchement c'est belle, hein. J'aime bien. Tu trouves pas Ada ?